بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا في الدرس الماضي من يذكر لي خلاصة كتاب الطهارة إخواننا خلاصة كتاب الطهارة إنا لله وإنا إليه راجعون فقط نعم تقدم كتاب الطهارة وقلنا أن الطهارة تنقسم إلى Et la chose la plus importante, on appelle ça la purification abstraite. Quant à la seconde catégorie, c'est la purification concrète. Et celle-ci se divise en purification de ce qui fait perdre l'état de pureté mineur ou majeur, ou la purification de ce qui est impur, sur le corps, dans l'endroit où on se trouve, ou sur les vêtements que l'on porte. Dans la purification de l'état de pureté majeure, il faut se laver. Soit on a un lavage complet et qui est recommandé, soit on a un lavage suffisant. Et c'est obligatoire. Quant à la purification de l'état d'impureté mineure, c'est par les ablutions. Quant au fait de purifier l'impureté, c'est avec, ça concerne pardon l'impureté sévère, l'impureté légère ou l'impureté médiane. L'impureté sévère, c'est la bave de chien lorsqu'il bave dans un récipient. On doit le laver 7 fois, la première fois avec de la terre. Quant à l'impureté légère, il est suffisant de la mouiller, de l'éclabousser, de la mouiller sans avoir besoin de l'essorer. Et ça concerne le liquide spermatique, c'est ce liquide qui coule, qui est transparent, qui est gluant et qui sort lorsque on est excité ou qu'on pense à des choses érotiques. Ça ne fait pas des ablutions, c'est impur lorsque ça touche le vêtement, il suffit de le mouiller sans avoir besoin de l'essorer. Et tu dois laver la verge et les testicules complètement lorsque ce liquide-là sort. Ensuite, dans ce qu'on purifie seulement en mouillant l'urine du petit garçon, du nourrisson qui allaite sa mère et qui ne mange rien d'autre. Il ne mange rien d'autre que il ne s'alimente pas avec autre chose que le lait de sa mère. Si son urine touche ton vêtement, il suffit de laver, ce n'est pas la peine de l'essorer. Et troisièmement, on a le sperme qui lui est un liquide de couleur blanche, qui a une couleur et qui sort en jaillissant et accompagné de plaisir. Il n'est pas impur. Si jamais il sort avec jaillissement et plaisir, il fait perdre l'état d'impureté majeur. Si jamais le sperme touche sur un vêtement, il suffit de le laver. Il suffit de le laver pour purifier le vêtement. Et si le sperme il sèche, il suffit de le frotter sans avoir besoin de le laver. Et le sperme est pur. Parce que l'origine de la création de l'être humain, c'est le sperme. Et il est forcément pur. La purification a lieu avec l'eau, et c'est la base. Ou avec la terre, et ça c'est ce qui est secondaire. Et l'eau se divise en deux catégories. L'eau purificatrice, et c'est l'eau qui reste sur son état de base, telle qu'elle a été créée. Et si elle est changée par quelque chose qui n'est pas impur et qui n'aura pas d'incidence sur celle-ci, ni sur l'eau, elle restera purificatrice. Elle reste de l'eau, tant qu'elle reste de l'eau, tant qu'on peut continuer à l'appeler de l'eau. L'eau qui coule dans les fleuves, celle qu'on trouve dans les puits, dans la mer, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire cela d'un jus? Non, on ne peut pas dire que c'est possible, c'est un purificateur, parce que c'est du jus, et ce n'est pas de l'eau. Si cette eau-là se modifie, donc là, premièrement, quand on parle d'eau impureté, d'eau, il faut savoir qu'on fait référence à deux choses. À l'eau qui est transformée, et deuxièmement, ce qui va transformer l'eau. C'est quoi qui va transformer l'eau? Donc on regarde pour le moment une eau qui est transformée. C'est-à-dire qu'à cause d'une feuille, d'un arbre qui est tombé dans l'eau. D'accord? Cette eau, on continue de l'appeler de l'eau.
mais le goût par exemple va changer à cause de la feuille. Et est-ce qu'on va dire que cette eau elle n'est plus purificatrice? On ne dira pas cela parce que la feuille n'est pas impure. L'eau deviendra impure lorsqu'elle sera modifiée. Lorsqu'elle sera modifiée par une impureté qui la transformera, qui la modifiera, d'accord ? Ce qui signifie que l'eau, lorsque l'impureté tombe dans celle-ci et que ne la modifie pas, eh bien, elle restera pure. Et par quoi elle est modifiée ? Par la couleur, l'odeur ou le goût. Donc l'eau deviendra impure lorsque l'impureté se mélangera à l'eau et aura une incidence sur elle, la modifiera dans son goût, dans sa couleur ou dans son odeur. Et on fait attention à la nature de l'eau lorsque celle-ci est en petite quantité. Si elle est en grande quantité, alors généralement la présence d'impureté dans celle-ci n'aura aucun effet, aucun impact sur la pureté de l'eau. L'impureté. Parlons de l'impureté maintenant. Quelles sont les choses impures afin que tu le saches? Faut que tu saches les déterminer. L'urine et les selles de l'être humain. Qu'il soit petit ou grand. Un homme ou une femme. Qu'il soit vivant ou mort. Car il est possible que sorte quelque chose de des parties génitales du mort, de la personne après laquelle elle meurt. Tout cela est impur, premièrement. Ensuite, les urines et les selles de tout animal qui nous interdit la consommation. L'âne, par exemple, le porc, le chien. Donc là on parle des animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Leur urine et leur sel sont impurs. Quant aux urines et aux selles des bêtes qui nous sont listées à la consommation, elles ne sont pas impures, elles sont pures. Ensuite, on a les bêtes mortes. Elles sont en elles-mêmes impures. Sauf l'être humain, lorsqu'il meurt, il ne devient pas impur. Les bêtes mortes qui sortent de la mer et les sauterelles, lorsqu'elles meurent, elles ne deviennent pas impures non plus. Quant aux bêtes qui, lorsqu'elles sont tuées, on ne trouve pas de sang qui coule de celles-ci, elles ne sont pas impures, comme les moustiques, les mouches, les insectes en général. Car, ces bêtes, lorsque tu les tues, il est possible, supposons que certaines d'entre elles laissent du sang sortir, mais tu veux que ce sang-là ne coulera pas. حديث الذباب نعم اذا سقط في الاناء تغمسه وتشرب ولا اشكال. Donc on va récapituler ce qui est impur. Les urines et les selles de l'être humain. Qu'ils soient vivants ou morts, homme ou femme, petit ou grand. Deuxièmement, les urines et selles des bêtes qu'on n'a pas le droit de manger. Quant aux urines et aux selles des bêtes qu'on a le droit de manger, elles ne sont pas impures. Les bêtes mortes sont toutes impures, sauf l'être humain, ce qui sort de la mer mort, et les sauterelles. Et enfin, les bêtes lorsqu'on les tue, leur sang ne coule pas. Ce qui concerne les mouches, les insectes, qu'ils soient rampants ou volants généralement, ils ne sont pas impurs. Il y a une question que les savants, à laquelle les savants que les savants citent. Ce qui est séparé du corps du vivant est comme un mort. Si on coupe une partie d'un être vivant, et ben il est comme cet être vivant s'il était mort. Exemple,
on trouve un, quelqu'un qui est en train de chasser. Là, il est en train de pêcher plutôt, et la moitié, il a sorti de l'eau la moitié d'un poisson. Donc forcément, cette moitié-là, elle est morte. On ne sait pas comment cette moitié de poisson s'est retrouvée accrochée à son hameçon. Quoi qu'il en soit, il se retrouve avec une moitié de poisson. Qu'est-ce qu'il fait de cette moitié-là? On regarde. Ce qui est coupé du vivant, c'est comme lui mort. Donc comme on sait que la bête morte qui sort de l'eau, elle est licite, il peut la manger, pas de problème. Maintenant, si on coupe le doigt d'un être humain, qu'est-ce qu'on va dire de ce doigt-là? Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? On regarde. Si l'être humain, quand il meurt, son cadavre, on a dit que les cadavres ils sont tous impurs, sauf l'être humain, quand il meurt. Donc ça signifie que le doigt, il n'est pas impur. Cette règle-là, elle concerne, elle fait exception au gibier. Hein, c'est ce que chasse le chasseur, comme par exemple une gazelle. Donc là, il trouve une gazelle, il attrape une gazelle, il dit bismillah et il coupe d'elle un morceau. Est-ce que ce morceau-là, il est impur ou non? Regarde. Donc le cadavre de la gazelle, c'est impur ou c'est pur? C'est impur. Et nous, on a fait l'exception avec le gibier. Parce que les compagnons, radiallahu anhum, des fois, ils chassaient ainsi. Donc on fait une exception du gibier. On fait aussi une exception avec le musc, ce parfum qui est connu. Donc d'où on tient le musc? On le tient de la gazelle. Il y a certaines races chez les gazelles, qu'on appelle les gazelles de musc, de quelle sorte? En bas de leur ventre, généralement, c'est du sang en fait qui a été transformé. Et ce sang-là, ce muscle-là, il est pur. Quelqu'un a voulu faire les éloges d'un calife. Et le calife, c'est un être humain. Donc comment est-ce qu'il a fait pour faire ses éloges? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais si tu es supérieur aux êtres humains alors que tu fais partie d'eux, ne sont pas tous les êtres humains depuis du début à la fin, mais ceux qui sont sous son règne, il lui a dit tu es supérieur aux êtres humains alors que tu en fais partie. Eh bien, tout comme le musc est une partie du sang de la gazelle. Donc il a fait la comparaison entre lui et le musc et sa supériorité par rapport au reste du sang du corps. Les femmes, lorsqu'elles sont dans leur cycle menstruel, les menstrues, c'est un sang naturel, hein, ce qui exclut le sang perverti. Donc c'est un sang naturel qui sort de la femme. Et les femmes dans ce domaine-là se divisent en trois catégories. Et les femmes qui connaissent le plus les menstrues, et bien ce sont les femmes. Donc laisse cette chose-là aux femmes. Hein, bien sûr, quand on est mal. Donc on regarde, si une femme elle nous dit, donc ce qu'on parle de sang perverti, on fait référence à cette hémorragie qu'on appelle la métrorragie. C'est une coulée de sang qui n'est pas du sang de règle. Donc des fois les femmes viennent et elles ont du sang qui coule et elles ne savent pas comment le déterminer. On demande à la femme, est-ce qu'elle a un cycle régulier, une habitude qui s'étend sur le même nombre de jours à la même période tous les mois? Si elle répond oui, on dit donc qu'elle est réglée.
Eh bien, le sang qui coule durant cette période-là, c'est le sang des règles. Et si le sang il coule en dehors de cette période-là, alors ce n'est pas du sang des règles, c'est du sang de la métrorragie. Elle n'y prête pas attention. Elle fait, elle se purifie, elle prie, elle jeûne et on peut avoir des rapports avec elle. Deuxième catégorie de femmes face au menstru, on lui demande est-ce qu'elle a un cycle régulier. Elle nous dit non. Est-ce que tu es capable de distinguer entre le sang des règles et le sang des métrorragies? On lui demande, elle nous dit oui. On lui demande comment tu fais pour faire la distinction. Elle dit je le distingue avec la lumière, avec la couleur, pardon. Le sang des règles, il est noir, il est très foncé. Donc quand quelqu'un se coupe, il se rend compte que son sang il est rouge. Elle voit qu'il y a une distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies par la couleur. On trouve aussi comme différence la couleur, l'odeur. C'est-à-dire que le sang naturel, normal, n'a pas d'odeur. Alors que le sang des règles, lui, il a une odeur. On remarque que le sang des règles, le sang normal, pardon, lorsqu'il coule, lorsqu'il y a une blessure, il coule au départ, après, il coagule et il s'arrête. Alors que le sang des règles, c'est le contraire. C'est qu'au départ, il coagule, ensuite il coule. Donc, il y a cette distinction aussi. Donc, tout ce qui n'est pas du sang des règles, c'est du sang de la métrorragie. Donc, si elle est capable de faire la distinction, alors qu'elle est sûre que c'est du sang des règles, elle ne fait pas la prière, elle ne jeûne pas, et on n'a pas de rapport avec elle. Et en dehors de cela, même si le sang continue de couler, mais elle sait que ce n'est pas du sang des règles, elle se purifie et elle peut avoir des rapports avec son mari. Et la troisième catégorie de femmes, c'est celle qui n'a pas de cycle régulier et qui n'est pas capable de distinguer le sang qui coule d'elle. C'est-à-dire que son sang ne coule pas au même moment. Et son sang coule très souvent. Et elle est incapable de faire la distinction entre le sang des règles et le sang des métroragies. Celle-ci, elle est perplexe et elle a rendu perplexe les autres autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde chez les femmes de son entourage, sa proximité, sa mère, sa tante maternelle ou sa sœur. Et elle regarde combien de temps elles ont leurs règles et à quel moment. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur leur cycle. Elle prend le début du mois islamique, par exemple, et elle reste sans prier, ni jeûner, ni voir de rapport, le même nombre de jours que les femmes de son entourage dans sa famille. Et après, elle se lave et elle prie, elle jeûne, sans faire attention au sang qui coule. Une personne qui est en état d'impureté mineure, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit de faire le tawaf autour de la Kaaba, de tourner autour de la Kaaba, et il n'a pas le droit de toucher le Coran. Et il rajoute à cela, celui qui est en état d'impureté majeure, il ne lit pas le Coran, donc en plus de ne pas le toucher, il ne doit pas le lire, il ne doit pas rester à la mosquée sans avoir les ablutions. Et la femme qui a ses menstrues, on n'a pas de rapport avec elle, elle ne gêne pas, et on ne la divorce pas. Et ça, on le verra plus précisément dans le chapitre du divorce. On a vu aussi ce qui annule les ablutions, donc l'état d'impureté, ce qui te fait rentrer dans l'état d'impureté mineur. Donc tout ce qui sort des deux orifices, donc du sexe et de l'anus. Aussi la perte de la raison, que ce soit par le sommeil profond ou la perte de connaissance ou la folie ou l'ivresse. Et on distingue entre le sommeil profond et le sommeil léger. Si dans le sommeil léger, la personne elle reste maître de ses perceptions, c'est-à-dire qu'elle entend, qu'elle sent les choses autour d'elle, elle perd pas les ablutions tant que rien n'est sorti d'elle. Si le sommeil est profond, alors elle perd les ablutions parce que le sommeil est un état dans lequel très généralement les ablutions sont perdues. On rajoute à cela le fait de manger de la nourriture, la viande de chameau. Beaucoup de savants citent le fait de toucher le sexe, même si beaucoup de savants disent que ce n'est pas une obligation de faire les ablutions, mais c'est plutôt une chose recommandée. Certains citent aussi le fait de perdre beaucoup de choses, d'exclure de son corps une chose en grande quantité. Certains savants prétendent que ça n'est pas les ablutions, même si ça ne sort pas des deux orifices, mais la vérité le plus juste, c'est qu'il ne perd pas les ablutions. En tout cas, s'il vomit beaucoup, bien s'il perd du sang en grande quantité, il n'a pas à refaire les ablutions. Après, on a parlé des conditions qui permettent l'essuyage sur les bottines. Première condition,
qu'il ait les ablutions d'abord avant de mettre ses bottines ou assimiler. Donc il faut qu'il ait lavé ses pieds avec de l'eau. Ce qui exclut quelqu'un, par exemple, qui fait les ablutions pour la prière de Al-Fajr après ses chaussettes. Ensuite, il vient avant la prière de Dhuhr et il fait l'essuyage dessus. Donc là, il a les ablutions. Si il enlève les chaussettes, est-ce qu'il perd les ablutions? Non. Mais il perd l'occasion de faire l'essuyage à nouveau. On ne peut plus les remettre pour faire l'essuyage dessus. Il faudra qu'il refasse les ablutions complètement avant. Deuxième question. Il a fait les ablutions pour la prière de l'Fajr et s'est lavé les pieds, les ablutions complètes en lavant les pieds. Après, il a mis ses chaussettes. Il a fait Ayat al-Mosto, il a enlevé les chaussettes. Après 10 minutes, après la prière de l'Fajr, il a remis les chaussettes. Est-ce qu'il fait l'essuyage dessus? S'il n'a pas perdu les ablutions, il peut faire l'essuyage dessus. Et s'il les a perdu entre temps, il ne pourra pas refaire l'essuyage tant qu'il n'aura pas fait les ablutions complètement. Premièrement, c'est ça. Tout ça, c'est dans le premier cas. Deuxième condition, respecter la durée de l'essuyage qui s'étend de 24 heures pour quelqu'un de résident et de 72 heures, soit 3 jours et leur nuit pour le voyageur. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que la durée commence? La durée commence au moment où il essuie. C'est là que la durée, elle commence. Exemple. Quelqu'un, il est intelligent. Il est résident ici. Mais il veut que la durée de l'essuyage soit longue. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les ablutions. Et il lave les pieds. Quand? Avant la prière de Dhuhr. Il met ses chaussettes et il reste avec ses ablutions. Il fait la prière de Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Avec une seule fois les ablutions, il n'y a pas de problème, ceci est permis. Après, il dort après l'Isha. Il se réveille pour la prière de l'Fajr à 6 heures par exemple. Il se réveille pour prier avant la prière de l'Fajr. Donc à 6 heures, il se réveille. Il fait les ablutions et là il essuie sur ses chaussettes. Et c'est à partir de là seulement qu'il commence à compter la durée de l'essuyage. Il fait la prière de l'Fajr. Donc il prie. Là, il prie ainsi toutes les prières jusqu'à l'Isha. Après, il va dormir. Et il se réveille 2 heures avant l'heure à laquelle il s'est réveillé la veille, où il avait fait l'essuyage sur les chaussettes. Et il fait le masque dessus une dernière fois avant que la durée ne finisse. Et après, une fois de plus, il conserve ses ablutions toute la journée avec laquelle il peut faire la prière, toutes les prières de la journée. Donc là, il est résident et pourtant, il est resté 3 jours avec ses chaussettes. Donc on a vu, première condition, être en état de pureté mineure, donc en état de pureté rituelle, pour pouvoir faire l'essuyage sur les bottines. Deuxième condition, qu'il respecte la durée, 24 heures pour un résident et 72 pour un voyageur. Troisième condition, que ce soit que la bottine recouvre la majeure partie du pied. Même si celle-ci, cette bottine ou assimilée, elle est transparente, même si elle est fine, même si elle est déchirée, même si elle ne couvre pas les chevilles, tant qu'elle recouvre en majeure partie le pied, alors on peut essuyer dessus. Quatrième condition, est-ce que cette bottine ou assimilée soit pure et permise? Sinon, on ne peut pas. On a aussi dans l'essuyage sur le bandage, ce qui sert à redresser l'os quand il y a une fracture, ou bien à couvrir la plaie quand il y a une blessure. Les Arabes, ils ont appelé le bandage Jabira, qui veut dire réparation, vulgairement traduit, par optimisme. On le met suite à une cassure ou à une fracture, mais on l'appelle réparation. Comme si on disait ça par optimisme, comme quoi, Inch'Allah, ça va être une cause de la réparation. C'est comme quelqu'un qui, les Arabes, ils faisaient cela, ils appelaient quelqu'un d'aveugle, ils l'appelaient Basir, qui veut dire voix. On appelait le scorpion,
on l'appelle Salim, yani en bonne, sûr, comme quoi il a la sécurité par optimisme face au mal qu'il contient, et ainsi de suite. Très souvent, les Arabes les agissaient ainsi. Donc, pour revenir au bandage, on l'appelle Jabira, qu'on met sur, suite à une fracture ou à une blessure. On peut faire l'essuyage dessus en état d'impureté mineure et majeure, contrairement à l'essuyage sur les bottines qu'on ne peut faire que en cas d'impureté mineure. Aussi, la durée de validité de l'essuyage sur le bandage s'étend tant qu'on a besoin du bandage, contrairement à celui sur les bottines qui, lui, s'étend sur 24 heures pour les résidents et 72 pour le résident. Et pour le voyageur, pardon. Comment est-ce qu'on fait l'essuyage sur les bottines, par exemple? On peut le faire avec la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche, ou bien les deux en même temps, ou bien chacun à leur tour, ou bien une main pour les deux pieds. Tout cela est permis, il n'y a pas de problème. Quant à l'essuyage sur le bandage, il ne doit concerner que la partie du corps qui est concernée par le bandage, que ce soit une blessure ou une fracture. On peut faire l'essuyage sur le turban aussi lorsque celui-ci est difficile à enlever. Et on peut faire une analogie avec le turban pour l'homme, avec le khima, c'est-à-dire le hijab de la femme. Donc si une femme met le khimar, c'est-à-dire le hijab, avant d'avoir les ablutions, elle peut faire l'essuyage dessus. Est-ce qu'on peut faire l'essuyage sur la chachia, le bonnet que les hommes y portent, ou bien encore le chimar, ce voile rouge que les hommes y mettent en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe? On ne peut pas, car ceci est facile à enlever. Donc on a parlé des ablutions, du lavage, des ablutions terrestres, c'est-à-dire avec la terre. On a parlé des menstrues et de la métrorragie. Il nous reste à citer les actes qui rendent le lavage obligatoire. L'éjaculation, ce qui implique le jaillissement et le plaisir. Et ça va provoquer aussi une fatigue dans l'ensemble du corps. Donc on se lave. Si quelqu'un se lave par exemple après avoir éjaculé, et après s'être lavé, il voit que du sperme sort de son sexe, mais sans éjaculation, c'est-à-dire sans qu'il soit expulsé, sans qu'il ne reçoive, qu'il ne ressente de plaisir. Là, il n'aura qu'à faire les ablutions. Si aussi parmi ce qui rend le lavage obligatoire, la pénétration sexuelle, et aussi les règles et les menstrues et les menstrues, pardon, et les lochis des femmes. Aussi la mort, hein, le musulman quand il meurt, on le lave. Et aussi le mécréant quand il se convertit à l'islam, donc la conversion est aussi une cause pour l'obligation du lavage. Donc pour revenir à l'essuyage sur le bandage, on a dit qu'on ne devait pas dépasser l'endroit concerné par le bandage. Donc s'il y a une fracture ou s'il y a une blessure, on ne doit pas dépasser cette partie-là. Et le mieux placé pour savoir quelle est cette partie-là, c'est le docteur, donc on lui demande. On a parlé aussi de certaines choses en rapport avec ce qu'on appelle la nature inhérente, l'instinct de l'être humain. Avant de parler de cela, on va parler du siwak. Donc on a parlé du siwak tout à l'heure avant de conclure le cours. Quel est le jugement du siwak? C'est une tradition prophétique, c'est une sunna, c'est donc recommandé. Et Allah Ta'ala, il aime cela, et il agrée cela, et il est recommandé à n'importe quel moment. Et plus particulièrement, quand on se réveille après avoir dormi, quand on fait les ablutions, quand on fait la prière, quand on lit le Coran, avant de dormir, quand on rentre chez soi, et avant de mourir. Avec quoi est-ce qu'on fait le siwak? Avec un bâton qui ne va pas être nuisible et qui ne va pas s'effriter dans la bouche et qui va apporter comme conséquence la propreté de la bouche. S'il ne trouve pas, il prend un morceau de tissu. S'il ne trouve pas, avec son doigt. Voilà. On a cité aussi l'épilation du pubis, c'est-à-dire les poils épais qui poussent autour du sexe, que ce soit d'un homme ou d'une femme. Il est interdit de laisser pousser ces poils au-delà de 40 jours.
Et des fois, on a dit que certaines personnes ont besoin de le raser après une semaine, parce que leur poil pousse très vite. On dit cela aussi, la même durée, c'est-à-dire dans l'épilation des aisselles, pardon, et dans la coupe, dans le fait de couper les ongles. Donc c'est 40 jours à la base, mais si ça pousse trop vite, alors ce sera inférieur à cela. Si quelqu'un, par exemple, pour raser son pubis ou encore épiler les aisselles, il utilise des moyens contemporains, hein, comme par exemple les crèmes épilatoires ou autres, il n'y a pas de mal dans cela, inshallah ta'ala. Aussi, dans ces choses-là, on évoque la circoncision. Pour les hommes, cela est obligatoire. Et pour les femmes, cela est recommandé s'il y a un besoin dans cela. Et cela est connu par les spécialistes dans la matière. On a cité aussi précédemment que le mécréant, la première chose qu'on lui demande de faire, c'est la circoncision. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est une erreur. On ne lui ordonne rien. Enfin, ça, c'est le mécréant, pardon, avant qu'il ne se convertisse, pardon. Donc, avant qu'il ne se convertisse, on ne va rien lui ordonner, si ce n'est de se convertir à l'islam. Et lorsqu'il se convertit, alors, on lui ordonnera de se circoncire. Donc là, on a fait le tour du chapitre relatif à la purification et on va commencer à parler de la prière. La prière, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? On définit la prière comme étant, linguistiquement parlant, l'appel. Ne fais pas attention à cette définition-là. Nous, on veut la définition de la prière, islamiquement parlant. C'est une adoration. Et il est obligatoire de préciser que c'est une adoration. Parce qu'on peut faire les mouvements de la prière sans avoir l'intention, ce ne sera pas une adoration. C'est donc une adoration qui contient des paroles et des actions. Donc la prière, ce sont des paroles et des actions. Donc des paroles et des actions spécifiques, précises, qui commencent par la sacralité et qui finit par la salutation. Quel est le jugement de la prière? La prière est un des piliers de l'islam. Elle est obligatoire pour les hommes et les femmes. Et qui d'autre? Et pour le libre et l'esclave. Oui, même pour l'enfant qui a fait la distinction, c'est-à-dire qui comprend quand on s'adresse à lui et qui est capable de répondre, même s'il n'est pas pubère. La prière a été prouvée, son obligation a été prouvée. Par quoi? Le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus de la communauté. Quel est le jugement de la prière en groupe? Le minimum que l'on puisse dire dans la prière en groupe, c'est qu'elle est obligatoire pour les hommes pubères. Si on ne dit pas que la prière en groupe pour les hommes pubères est une condition pour que la prière soit valide, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc si le pubère doué de raison, homme, il prie chez lui tout seul, sans aucune excuse, sa prière elle est invalide chez Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est plus savant que toi et que moi. Tu veux répondre à la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah? Vas-y. Ça c'est le jugement de la prière en groupe.
Quelles sont les conditions de la prière, et ses piliers, obligations et traditions, et ce qui l'annule, on le prendra, inshallah ta'ala, après la prière de l'Asr. Qu'Allah nous accorde la réussite à tout ce qui provoque sa satisfaction et son amour. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma alhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Là, on a une annonce de l'imam Zuhair, Cheikh Zuhair, qui s'adresse aux femmes, où il demande aux femmes qui ramènent des enfants en bas âge, qui gênent et qui dérangent, qu'elles sachent qu'il y a une crèche. Si elles peuvent les ramener là-bas, barakallahu fikum. Salam alaikum.